Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous m'entendez bien, ça a l'air bon, vous avez l'air d'avoir la musique d'ambiance, on est pas mal pour démarrer. Alors ce soir on va se remettre sur des adaptateurs manettes pour Super Nintendo, donc le projet Blue Retro que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, en passant par des petites cartes programmables de style Blue Retro. Le rétro, c'est le nom du projet, de style ESP32. Donc ça, c'est une carte que j'ai préparée, on va dire. Pourquoi est-ce que je dis que je l'ai préparée? Eh bien, tout simplement parce que je lui ai supprimé toutes les pinoches qu'il y avait, puisque c'est vendu avec les pinoches traversées, là. Et je lui ai préparé aussi la petite LED et la petite résistance qui vont bien pour signaler l'état de synchronisation. Quand c'est en recherche de périphériques Bluetooth. Voilà, donc je l'ai préparé en amont. Ça, c'est un petit convertisseur de tension, puisque ce composant, lui, est alimenté en 3,3 volts, donc ce composant-là. Mais quand on prend les cartes de développement comme ça, il y a ici un petit régulateur qui permet de délivrer du 3,3 volts en étant alimenté par du 5 volts via soit la pin 5 volts, soit la prise USB. Et donc ce petit composant rouge permet de convertir dans les deux sens le 5 volts en 3,3. C'est pour ça que vous voyez ici, il y a un petit pont. Ça va en fait jusqu'au fil qui ressort de l'autre côté du bout de câble. Puisque la console, elle, est en 5 volts à l'intérieur. Mais les signaux donnés par ce composant, eux, sont en 3,3. Donc du coup, on récupère le 5 volts ici, ce qui permet déjà d'alimenter ces composants, et ensuite d'alimenter ce petit composant qui est juste là, et faire la conversion de tension 5 volts 3,3. Donc ce qui permet normalement d'avoir du 5 volts côté console, du 3,3 du côté composant. Donc, je reprends le projet. Pourquoi est-ce que c'est déjà soudé? Eh bien, parce que j'avais déjà fait un essai avec d'autres composants. Donc, c'est toujours les bases d'ESP32, sauf que des ESP32, il y en a pléthore. Il y a les ESP32 classiques, ESP32D, ESP32S, ESP32E, les Vroom, les Vroeur. Bref, il y a plein de types d'ESP32 différents. Et du coup, là, on était sur un ESP32D, je crois, et j'avais des soucis quand je faisais du 2 joueurs, j'avais énormément de latence. Ça marchait, j'avais les deux players, mais j'avais énormément de latence sur mes boutons quand j'appuyais et la détection côté console. Donc j'ai changé, j'ai fait, c'était la semaine dernière, ou lundi, non, c'était lundi, je crois. Pour la PlayStation, j'ai fait avec un ESP Vroom 32S. Et là, on va tester avec un Vroom 32E, voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a la même réactivité? Et si ça marche pas, et ben à ce moment-là, je commanderai un autre 32S. Ça coûte 3, 4, 5 euros, allez, grand max, ces composants. Et du coup, on pourra faire l'essai au niveau du temps de latence, justement, entre l'appui sur une manette et la détection par la console. Moi, je vais utiliser, alors pour la PlayStation, j'avais utilisé des manettes de PlayStation, mais PlayStation 1 avec des manettes de PlayStation 4. Là, je vais utiliser une manette Bluetooth 8-bit DO, ou 8-bit DO, pour ceux qui veulent le traduire en français. Donc ça marche très bien, c'est compatible PC, Switch, téléphone mobile, Android. Donc ça marche plutôt bien, et du coup, bah, comme c'est en Bluetooth, normalement ça devrait pouvoir se connecter là-dessus, et comme ça, le look de la manette de Super NES, et bah du coup, c'est tout à fait raccord avec cette console pour laquelle on va travailler aujourd'hui. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'on va faire ce soir. Donc je vais démarrer mon fer à souder, et puis on va commencer par charger le composant avec le firmware, donc avec le petit programme issu du projet, donc que j'ai récupéré sur GitHub. Et puis ensuite on viendra souder, brancher les manettes et tester tout ça. Donc je le connecte, et pour le connecter j'appuie sur ce bouton qui est le IO 0 qui permet de démarrer en mode boot, c'est-à-dire en mode programmation. Donc je le branche. Normalement, il est détecté par mon PC en étant un périphérique programmable. Ensuite, je vais aller démarrer
là-dedans. Mon outil Flash Download Tool, qui me permet de justement programmer en ESP32 mode develop mon composant. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est encore le com7. Et ensuite, je vais me caler par rapport à la page du projet et je vais vérifier que j'ai bien la même chose. Comme j'ai programmé il n'y a pas longtemps, il a gardé en mémoire. Donc, le boot loader, c'est bien dans le bon dossier bootloader.bin. Ici, c'est le partitiontab.bin, ça a l'air bon. Et ici, eh ben, je vais changer puisque j'étais sur le PlayStation. Et du coup, je vais partir sur le SNES. Ouvrir. Voilà. 40 MHz, DIO, do not machin, et ben je peux commencer le transfert. Hop. Et donc je fais start. Normalement, je dois me charger le programme dans mon composant. Il a l'air d'être fait puisque j'ai la barre de progression qui est bien active. Tac, finish. Donc finish, a priori c'est bon. Je peux fermer le soft et débrancher mon composant, histoire de le mettre hors tension. Donc là, j'ai pris la dernière version du firmware. Alors peut-être que la dernière fois, ça fonctionnait pas bien parce que la version du firmware était pas... c'était la dernière à l'époque où je l'avais fait, mais peut-être qu'elle avait encore des bugs ou quoi que ce soit. Là, sur cette version, avec l'autre composant, ça a marché. On va tester avec donc le Vroom, le ESP32 Vroom 32E. Voilà, donc je vais récupérer ça et je vais récupérer cette vue. Il me permet donc de mettre mes câbles au bon endroit. Donc on va commencer par... alors, qu'est-ce que j'ai comme couleur? Ça doit être remplacé par le blanc. Autrement, j'ai toutes les autres couleurs. Orange, jaune. Le rouge, c'est le plus 5, donc je ne le compte pas. Ensuite, le noir, c'est le GND. J'ai un marron. Un marron. Alors le bleu, c'est bon aussi. Jaune, orange, vert, bleu, c'est bon. Et après, j'ai un marron et un blanc. Alors, le marron et le blanc correspond à quoi? Bleu, orange, jaune, vert. Ah, et là, j'ai du rouge vers le 3,3. Donc, j'ai du un GND. Alors, le 3,3, c'est LV. Et LV, j'ai dû mettre mon blanc, c'est ça. Donc le blanc, c'est mon 3,3. Et ensuite, le marron. Le marron, je l'ai mis sur quoi, le marron? Je l'ai mis sur LV3. Et LV3, c'est l'équivalent de mon violet. Ouais, c'est logique. Ok. Eh ben allez, on part là-dessus. Et du coup, on va souder ça sur le composant. Est-ce que je vous mettrai pas un peu plus près, quand même? Ça peut être pas mal pour que vous puissiez voir un peu mieux les soudures. On va faire ça. Hop, mettre le pied, ça sera mieux. Hop, on va décaler le tout. Voilà, et là on sera pas mal. Un petit coup de focus, parce qu'il n'y a pas d'autofocus bien sûr. Et pas mal là, on est pas mal. Voilà. Bon, eh ben, je vais retourner pour voir où est le 5V. Donc là, on a le 5V qui est tout en bas, le 3,3 qui est tout en haut. Donc, en bas à droite, quand je le retourne, c'est en bas, mais c'est à gauche du coup. Donc c'est le point le plus bas. Donc le 5V ici. Donc on va commencer par brancher, enfin brancher, souder le 5V. Hop. Là. Faut qu'on soit à peu près dans le rayon de lumière parce que forcément mon téléphone du coup me fait une ombre. Je passe ma main, ça fait de l'ombre. Et donc le téléphone me fait une ombre aussi. Pas de bol, je peux pas tout avoir. Après je pourrais mettre la torche du téléphone, mais c'est encore pire. Donc on va laisser comme ça. Ok. Ensuite, on avait dit le 3,3 qui est tout en haut. Je dis pas de bêtises. 3,3 tout en haut. Donc ça fait tout en haut à gauche. Donc c'est parti. En haut à gauche. Alors ce que je vais faire,
avant et à remettre d'éteint. Voilà, pour vraiment souder propre. Donc 3,3. Voilà. Ensuite. Le violet qui est donc moi mon marron. C'est le IO32. IO32 c'est celui-là. Hop, ça ressort l'autre côté. Oui. Donc mon marron. Mettre sur celui-là. Voilà. Ensuite. Hop. Ensuite. Le bleu, c'est l'IO 22. Alors, le 22, il est où? C'est bien un IO 22 quelque part là-dessus. Mulmoi, merci pour le raid, ça fait plaisir. Comment ça va? Comment s'est passé ton live? Bienvenue à tes viewers. Donc ce soir, nous on essaye de se fabriquer un adaptateur Bluetooth pour console old generation. Donc là, ce soir, on fait ça pour une Super NES. Et ouais, coucou Emule-moi, comment ça va? Merci encore hein, pour le raid. Donc voilà, ce soir on se fait un petit convertisseur Bluetooth vieille manette. Donc c'est un projet, hein, c'est pas moi qui ai créé le projet, ça s'appelle Blue Retro, c'est un projet que j'ai trouvé sur GitHub. Et du coup, donc via ces petits composants là, des ESP32, on peut connecter des ports manettes de vieilles consoles. Et quand je dis vieilles consoles, il y a une liste... assez importante. Et du coup, j'ai fait ça la semaine dernière pour PS1. Ça marche très très bien. Et merci pour le follow, vénérable DJ. Il y avait un Canadien qui fabriquait ça à une époque. Ah, sûrement. Merci Bécliner pour ton follow. Et bienvenue à tous sur la chaîne. Donc ouais, j'ai fait ça pour PS1 la semaine dernière. J'avais déjà commencé il y a quelques temps à faire des essais et j'avais d'autres composants. Alors c'est toujours sur base de ESP32. Je vais essayer de vous montrer en le reflet. Voilà. Et ça marchait pas bien, j'avais des problèmes de latence énormes ou alors le deux joueurs ne marchait pas du tout. Et du coup là, je suis passé sur un ESP32 Vroom 32E qui a l'air d'être... Plutôt sympa. Et merci hein, pour tous les follow qui débarquent là. Merci. Ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Donc voilà, la semaine dernière, j'ai utilisé un Vroom 32S pour la PS1. Ça a super bien marché. Hyper réactif, deux players détectés, génial. Et là, du coup, on va essayer avec le 32E pour la Super NES, voir s'il y a une différence ou pas. Voilà, donc on enchaîne. Et là, j'en étais du coup à souder tous mes petits fils. Et pour faire cette soudure, je me base sur un petit plan avec les couleurs de fil qui sont à peu de choses près respectées. Juste mon violet qui est remplacé par mon marron et mon 3,3 volts qui est remplacé par mon blanc. Mais autrement, les couleurs sont respectées. Donc je me base là-dessus pour faire les soudures. Et donc ça, ça a été fait grâce au plan de câblage sur le GitHub. Quasiment n'importe quelle manette Bluetooth, il y a des subtilités par exemple sur les manettes de PS3, puisque les manettes de PS3 elles ont un fonctionnement où il faut rentrer l'adresse MAC, donc il faut réussir d'abord à détecter l'adresse MAC avec un PC qui a du Bluetooth, ensuite il faut rentrer ça dans Blue Retro, c'est un peu galère, mais ça se fait avec manette de PS3. Après on a les manettes de PS4, l'année dernière j'ai fait ça avec deux manettes de PS4, ça marche nickel, manette de PS5, les manettes 8-bit DO en X-input, tout à fait. Ça marche avec les manettes de Switch, donc les Joy-Con, hein, ça marche avec les Wiimote, ça marche avec
Ouais, plein de choses. Franchement, plein de choses. Et les manettes de Xbox One, puisque les Xbox 360, elles avaient un protocole dédié, et les manettes de Xbox One, elles sont en Bluetooth, donc Xbox One et Xbox Series aussi. Ils sont en Bluetooth. Donc ça laisse quand même un large panel. Et après, bah, moi, j'ai pu essayer qu'avec la 8-bit Do et la manette de PS4, ça marche très bien. Franchement, quand ça marche bien, donc comme j'ai pu tester lundi, je n'ai vu aucune différence par rapport au câble. Il doit y avoir allez, 1 à 2 millisecondes, voire même de la microseconde. C'est franchement trop trop bien comme projet. Je suis grand fan. Donc du coup, voilà, je vais continuer là-dessus. Et puis je vais essayer de papoter en même temps, mais c'est pas évident. Donc là, j'en étais au bleu et je cherche le IO 22. Et donc le IO 22, est-ce que je vais le trouver facilement ? Ce sera marqué P22, là, P22, 1, 2, 3e, 3e à gauche, donc ça sera le 3e à droite quand je retourne. Ah ouais, vraiment, la latence... Bah là, on va voir ce que ça donne sur la SNES. On testera avec Street Fighter 2 Turbo. On verra s'il y a de la latence ou pas. Et puis, suivant l'heure qu'il est, je pourrais brancher la PS1 et vous montrer sur Tekken 3. Franchement, moi, j'ai vu aucune différence par rapport aux manettes. Je dis pas qu'il y en a pas, mais à mon niveau, je suis pas assez joueur de l'extrême pour voir la différence. Bon, franchement, ça marche très très bien. Ensuite, le jaune. Le jaune, il est sur l'IO 19. Alors, IO 19, est-ce qu'on le trouve facilement? 18, 19, c'est ça, hein. 19, donc il est juste en dessous de la LED. C'est bon, là où c'est pas du tout accessible. Voilà. Et on va mettre le jaune. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, et ben moi donc je fais depuis pas très longtemps, hein, ça fait un an que je stream, donc c'est pas très très vieux. Je faisais au début de la chaîne pas mal de créations, de projets DIY. Vous pouvez en avoir 2-3 en arrière-plan. De ce côté, non, de ce côté. Là, vous voyez les LED qui sont là, c'est tout du projet DIY, ça, c'est des reproductions de Nanolith. Donc tous les boîtiers ont été designés sur Fusion 360, imprimés en 3D, et puis je passe par WLED que j'ai entièrement configuré pour avoir les animations. D'ailleurs, avec vos points de chaîne, vous pouvez changer les animations ici. Le cadre qui est en dessous, c'est pareil, c'est une création. C'est un éclaté de Game Boy Color, Game Boy Pocket. Avec toute l'infographie qui est autour, des petites descriptions, voilà, tout ça, ça a été fait aussi à la maison. Le stick arcade qui est juste là, qui intègre une Recalbox à l'intérieur avec un Arduino, un Raspberry Pi, et qui peut aussi faire manette pour PC ou pour d'autres Recalbox. Donc ça, ça a été fait aussi il y a quelques années maintenant, en bois. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, après j'ai fait des bornes d'arcade, j'ai fait... voilà, souvent orienté jeux vidéo, et puis bah du coup j'ai fait quelque chose pour le stream. Et avant de me faire offrir un vrai Steam Deck, et ben du coup je m'étais fabriqué mon propre Steam Deck. Et bienvenue au... alors, Osmosto Player V, c'est ça? Donc je m'étais fabriqué mon propre Stream Deck, voilà, 10 touches, complètement designé sur Fusion 360, et avec des fonctionnalités RGB en plus. Ah, je peux vous le brancher, vous verrez. Tac. Voilà, avec du RGB de kéké à fond la caisse. Voilà, et donc avec 10 touches fonctionnelles qui me permettaient de basculer de scène, etc. sur OBS. Donc ça, ça a été c'était fait aussi. Et oui, bonne année à tous, effectivement, on est encore en janvier, on peut souhaiter la bonne année, tout à fait. Alors, j'ai du mal à comprendre toute ta question, Osmo.
Bonne année et surtout la santé. Est-ce que ton montage Bluetooth, il y a un driver à améliorer ou est-il générique, bêta, version finale dans le contrôleur? Alors là, il n'y a rien à configurer côté, on va dire, utilisateur. Le Bluetooth est géré par la puce via le micro-programme qu'on trouve donc sur le GitHub du projet. Projet donc Blue Retro. Après, je sais pas quelle version de Bluetooth exactement, je me suis pas renseigné à ce point-là pour savoir quelle version de Bluetooth exactement était utilisée. Ce que je peux dire, c'est qu'avec toutes les manettes que j'ai utilisées, alors il n'y en a pas eu 50, hein, mais manettes de PS4 et puis les manettes 8-bit do, franchement, ça marche très très bien. Hop, voilà. Ensuite, on en est au Orange. Orange, c'est iO 18. Alors, iO 18. Alors, je retourne et je vérifie à chaque fois, puisque tous les composants n'ont pas le même mapping des iO. Du coup, bah, je suis obligé de rechercher à chaque fois. Donc, j'ai dit iO 18. Et merci, Osmo. iO 18, 18, 18. Mais je viens de le faire, le 18. Ah, je me suis planté, c'était le 19 qu'il fallait faire. Ah non, c'est le 19 que je viens de faire. Le 18, il est à côté. Ah putain, ça va être bien pratique là. On va essayer de tordre un petit peu ça. Et donc là, j'ai dit le jaune. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Le jaune en 19, ok. Et en 18, c'est le orange. Donc juste à côté. Hop. Et donc on va prendre le orange. On va essayer d'amener en face. Allez. Voilà. Ensuite, il me reste. Alors, le noir, c'est un GND, je le ferai en dernier. Il me reste le vert, iO 5. Et le iO 5, si j'ai pas de bêtises, il est aussi au niveau de la LED. Bien sûr, il faut que ce soit tout centralisé autour de ma LED. Non, c'est pas drôle. Voilà, donc la première étape, c'est de faire la partie. Faire la partie câblage et puis test ce soir. Et puis après, eh ben, bon, suivant l'heure et l'avancée des tests, je ferai de la modélisation 3D pour me faire un boîtier. Un boîtier pour venir encapsuler tout ça. Hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas les fils volants et que ça ne tire pas sur les fils et que ça risque pas d'y détériorer avec le temps. Donc on fera un boîtier que je viendrai ensuite imprimer en 3D. Ça se touche pas là. Alors, vérifier que ça se touche pas, je vais pousser les manettes, pour l'instant je n'en ai pas besoin. Et pour vérifier que ça se touche pas, on va utiliser l'outil miracle, le multimètre. Alors, ça, et ça, ça se touche pas, ça, ça, c'est bon, ça, ça c'est bon, ça. C'est bon. J'ai pas fait de court-circuit. Pas mal. Hop. Retro Red Room serait ravi de l'apprendre. D'apprendre quoi? D'apprendre le projet Blue Retro? Bah écoute, à l'occasion, je passerai lui dire sur sa chaîne. Je suis de temps en temps en lurk sa chaîne. Quelle couleur sera mon boîtier 3D? J'en ai pour l'instant aucune idée. Je pense que je le ferai gris. Faudrait que je me retrouve du filament gris. Je pense que ça serait de cette couleur là, ce genre de gris. Puisque la Super NES est grise, la PS1 est grise. Ou alors je le fais noir comme la PS2, puisque l'adaptateur PS1 il marche aussi sur la PS2. Puisque c'était les mêmes, exactement les mêmes protocoles. Alors un GND, où est-ce que je vais trouver ça? Eh ben, tout bêtement, sur la LED, là, il y en a un.
Mais j'aimerais bien me mettre ailleurs que sur la LED. Et ben j'en ai à côté du 5 volts, mais il va être un peu loin. Encore que. Oh, il est pas mal celui-là. À côté du 5 volts. J'en ai pas un troisième de GND là? I, tout là-haut. Tout là-haut, c'est pas mal. Transparent, PETG, pas cher? Oh, non, pas transparent, j'ai pas... Il va y avoir un peu de filasse et tout ça, transparent, je suis pas très emballé, mais j'en ai pas, surtout. Mardi, jeudi ou dimanche, eh ben, j'y penserai. Ouais, ça c'est bien un GND. Ok, ça c'est bien un GND, donc je vais pouvoir me souder là-haut. Voilà, donc sur ma chaîne, vous découvrez pas mal de choses différentes, puisque j'aime bien varier un peu les projets, faire de l'impression 3D, j'ai fait des projets avec de la découpe laser, j'ai une petite découpeuse numérique CNC aussi. Voilà, il y a eu des projets divers et variés, j'ai fait des manches de couteau, j'ai fait... Voilà, au début de la chaîne, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de créations, et puis ben récemment, je me concentre un peu plus sur les consoles. J'ai fait beaucoup, et je fais toujours beaucoup de Game Gear, j'adore les Game Gear. Donc j'adore réparer les Game Gear, je trouve ça intéressant. Bien souvent, je suis obligé de leur changer les écrans. Malheureusement, les écrans, ils vieillissent pas très bien sur les Game Gear. Et la majorité du temps, c'est du changement de condo, tout ce qu'il y a de plus classique, comme on dit. Voilà. Hop. Et ben voilà, ça y est, c'est tout câblé. On va pouvoir passer au test. Je vais éteindre le fer pour pas brûler quoi que ce soit. On va repasser un peu plus haut. Hop, on va prendre de la hauteur. Voilà. On remet là-haut. Là. Et on va refaire un petit plus. Hop, le fer, on va le pousser un peu plus loin. Et puis, on va connecter ça sur notre petite Super Nintendo. Tac. Voilà. Donc, je m'étais fait des repères Player 1. Alors, j'ai pas encore clipsé complètement le... Mais je sens que ça va se clipser quand même. Puisque s'il y a un souci de câblage, je veux pouvoir réintervenir à l'intérieur. Donc j'avais pas clipsé les plastiques, mais une fois que tout sera bon, que les tests seront concluants, bien sûr, j'enfoncerai les plastiques à fond, il y aura un petit clips, et ça ira bien. Ah, intéressant ton truc aussi là, Osmo. Intéressant. Et merci pour le follow Crosswolf, Crosswolf, comment on prononce Crosswolf, je pense que je me trompe pas là. Hop, allez, on va passer au TPC. On va démarrer la console et puis on va venir configurer du coup le composant. Hop, je vais le mettre droit histoire qu'on voit les LED. Avec un petit site qui est donné par Blue Retro qui s'appelle blueretro.io sur smartphone. Une fois que j'aurai configuré, on pourra passer au test à proprement dit. Donc là, le jeu démarre bien et on va se concentrer sur la configuration avec le téléphone. Donc, connect Blue Retro, Blue Retro SNES a été trouvé. Donc nickel, associé. Ah, Cooldown Connect. Alors, ça arrive des fois qu'il y ait des petits soucis de connexion. Une fois qu'il s'est bien retrouvé, voilà, il défile la liste. Et me voilà dans l'interface. Donc, je vais lui dire. Système, eh ben, c'est de la SNES. Multitap, j'en veux pas. Memory card, il n'y en a pas.
Donc je laisse blank et inquiry mode auto, c'est très bien. Ça, je save. Ok. Ensuite, config output. Output 1, gamepad, accessoires, il n'y en a pas, il n'y a pas de vibration particulière. Sur la SNES, il n'y avait pas ça en place. Et du coup, je laisse comme ça. Donc ça, j'ai rien à modifier. Et enfin, device 1, c'est là où on va faire le mapping. Donc la source, et ben moi je vais dire que c'est une manette. Vous voyez, on a tout ça qui sont qui est disponible. Donc manette PS3, PS4, PS5, les Wiimote, Wiimote avec Nunchuk, la manette Switch Pro, Switch NES, SNES. Donc les manettes pour Switch. Et moi je pense que je vais mettre en Switch SNES puisque ma manette 8-bit Do va peut-être être considérée comme ça. Je regarde s'il n'y a pas d'autres choses. Ou SNES, je sais pas. GameCube, Saturn, Dreamcast, bon voilà. Je vais essayer Switch SNES, on va voir. Et donc, la destination, eh ben, c'est de la SNES. Voilà. Et du coup, il me fait le mapping. Donc toute cette liste-là, elle doit être mise à jour avec le mapping. Merci pour le follow. Alors là, par contre, je ne lis pas les caractères spéciaux. Et du coup, je vais avoir du mal à prononcer ton pseudo. Mais merci pour le follow. Hop, je fais save. Config save, mapping change, machin. Ok. Et normalement, donc ça c'était pour le device 1. Et pour le device 2, je peux changer. Et du coup, à la place de Switch SNES, eh ben, je vais mettre PS4, PS5. Puisque je veux utiliser ma manette de PS4, PS5 pour faire le Switch. Le Switch. Tac, config. Config save, mapping, take effect immediately. Donc ça devrait être bon. Ça devrait prendre effet tout de suite. Donc voilà. Donc là, la LED, elle clignote. Ça veut dire qu'on est en mode appairage. Donc là, ma manette, je vais la démarrer en X input. Donc c'est le bouton power et la touche X. Donc X et le bouton power, c'est start. Je la démarre. Et je vais la mettre en mode recherche de périphérique. Et donc, elle doit clignoter. Et rechercher un périphérique. Et si tout se passe bien, et ben elle va arrêter de clignoter. Et lui, il va arrêter de clignoter aussi. Et les deux, ils vont se dire bonjour. Et ils vont réussir à synchroniser. Bon, ça, c'est dans l'optique où ça se passe bien. Et visiblement, ça s'est bien passé. Puisque là, ça clignote plus. Et là non plus. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai la LED qui est fixe. Et si on passe là-dessus, est-ce que ça marche? Le start a marché. Au bas, ça marche. Je suis en sans fil. Hein. On est bien d'accord. J'ai aucun fil nulle part. Et ça marche. Ça a l'air d'être assez immédiat. Option. Alors, la seule chose... Je sais pas si c'est A ou B qu'il faut utiliser. Mais là, normalement, on doit pouvoir configurer les touches. Voilà. Donc, Y. Ah, il m'a inversé les touches. Donc ça, bah, je pourrais aller le changer. L. Ok, LR c'est bon. Ensuite, AB. Donc là c'est B. Voilà, il m'inverse A et B. Et il m'inverse X et Y. Donc ça, je vais pouvoir aller le reconfigurer dans l'interface de Blue Retro avec la petite page web que je vous ai montrée. Autrement, le reste, LR c'est bon. Puisque là, L, ça ne change rien. Si j'appuie sur R, ça me met bien R. Donc L c'est bon. Et après, j'ai une inversion X, Y, si j'appuie sur Y, il me met X, donc il m'a inversé, en gros, X, Y, A et B. Il m'a inversé ces touches-là, mais à part ça, normalement, c'est bon. Voilà, et comme tous les jeux n'ont pas possibilité de refaire le test des manettes, bien sûr, enfin le mapping des touches, il faudra que je le configure dans l'interface de Blue Retro. Donc ça, c'est pour la manette 1. Maintenant, il y a un petit bouton, le IO 0, qui m'avait servi à faire le branchement en mode boot pour pouvoir charger le microprogramme. J'appuie dessus pendant 3 secondes. 2, 3. Ça se remet à clignoter. Ça veut dire que ça repasse en mode appairage. Du coup, mode appairage sur la manette de PS4, c'est le bouton share et le bouton PlayStation. Là, ça se met en mode appairage Bluetooth. Elle se met à clignoter, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, elle clignote. Et normalement, elle va se synchroniser aussi avec. Et une fois qu'elle sera synchronisée, eh ben, elle arrêtera de clignoter. Et le composant arrêtera de clignoter aussi. Elle passe en rouge parce que c'est le player 2, alors que l'autre était
Quand il y a deux manettes de PS1, la première est en, de PS4, pardon, la première est en bleu, la deuxième est en rouge. Player 1, player 2. Et donc là, normalement, et ben voilà, pareil. Hop. Haut, bas, gauche, droite, ça marche. Et si je fais Y, donc l'équivalent de Y, c'est carré. C'est bon. Donc là, c'est bien mappé. Et ensuite, L, R, c'est bien mappé. Et enfin, A, B. A, B, c'est bien mappé. Donc sur la manette de PS4, c'est super bien mappé. C'est dans le bon sens. Manette de 8-bit Do, il y a une inversion. Donc là, je me remets en mode appairage. Puisque quand les manettes sont déjà synchronisées, normalement, on ne peut plus passer par l'interface. Donc là, bah, je vais essayer de me reconnecter. On va rafraîchir la page. Et je vais essayer de me connecter. J'ai l'impression que c'est bien lumineux. Vous voyez là. Je vais peut-être vous baisser un petit peu. Oh là, voilà, comme ça. Alors, connecte Blue Retro. Est-ce qu'il va voir quelque chose? S'il voit pas, j'éteins le composant. Et pour éteindre le composant, bah, je débranche la manette. Salut Gabriel! Comment ça va ce soir? Donc là, il a du mal à se connecter. Il a du mal à voir le composant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la console. Rallumer la console et ça va, voilà, me rendre dispo le composant. En gros, il faut pas qu'il ait de manette appairée, donc il faut réinitialiser le composant. J'aurais aussi pu appuyer sur l'autre bouton qui est le bouton Enable, qui donc me désactive quand j'appuie et qui me réactive le composant quand on est dessus. Donc là, il s'est bien connecté et on va aller voir le mapping, mapping qui visiblement a sauté. Donc on va aller configurer ça. Alors après, on peut venir configurer à la main. Ici, c'est pas évident, mais on peut configurer la main. Alors Gabriel, pour te répondre, je suis en train de faire un adaptateur Bluetooth pour Super NES, pour les manettes de Super NES. Donc ce qui me permettra de jouer avec des manettes de type 8-bit Do, de type PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Wiimote, Switch, etc., etc. À condition de faire le bon mapping. Donc là, je vais essayer de refaire le mapping. Donc on avait dit Switch SNES et la destination de la SNES. Le reste, il l'a bien pris, mais ça, le mapping, il n'a pas l'air de bien le prendre. On va voir, save. Ça a pris le mapping. Alors après, je peux me mettre en horizontal pour que ce soit un petit peu plus grand. Voilà, donc là, on voit un petit peu mieux. Si on a un PC avec le Bluetooth, c'est aussi bien sur Bluetooth. Donc là, on voit les touches. Si vous voyez bien, je peux peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on a toutes les touches. Donc voilà, Y, Y, forcément, hein, puisque j'ai mis les deux, c'est des trucs de Super NES. Et si ça marche pas, bah, je pourrais revenir là-dedans et inverser. Voilà. Du coup, je mettrais Y et X, je mettrais l'inverse, et puis A et B, je mettrais l'inverse aussi. Les Z, ZL, R, ZR, ça a l'air d'être bon. Donc, je vais laisser comme ça. Ça, c'est bon. Et du coup, j'ai ma première manette qui s'est bien connectée. Donc, on va repasser là-dessus et on va aller refaire le test. Je vais pouvoir dézoomer un peu. Voilà. Donc, A, Start. Option, et on va aller refaire le mapping. Alors, Y. Non, toujours inversé, X et Y. Et je suppose que A et B, c'est pareil. Ouais, c'est ça, il m'a encore inversé A et B. Eh ben, écoutez, on repart. C'est un peu galère la config, pour ça je dis on verra suivant le temps que ça prend. Manette de PS4, PS5 sur la PS1, ça marchait nickel, le mapping était nickel. Là, sur la Super NES, c'est un peu plus compliqué. Donc, hop, associé, on va se remettre en horizontal. Et on va retourner voir. Hop, voilà. J'ai l'impression qu'il ne me prend pas bien le mapping. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur l'index. Et on va aller voir... preset config. Connect. Ah, mais il faudrait que j'éteigne. Je crois que c'est select pendant 10 secondes. Je
Je vais éteindre ma manette 8-bit d'eau, puisqu'en fait, quand elle s'éteint, enfin, quand c'est déconnecté, ça retente de se connecter, et du coup, dès que je rallume le composant, ça se connecte, et l'interface web, il se reconnecte plus. Voilà. Bon, ça, c'est des trucs que j'ai vu un peu au fur et à mesure dans mes différents essais, puisque j'en avais fait un petit peu en stream, j'en ai refait hors stream, et du coup, bah, j'ai pu voir un petit peu comment ça marchait. Donc, on redémarre le composant, et voilà, comme ça, je peux associer ici. Donc, preset config. Alors, output 1, et output 1, output 1, output 1. Mais il me trouve pas les... Mais j'aurais dit défaut gamepad. Voilà. Save. Et pour l'output 2, pareil. Défaut gamepad. Save. Ok. Et du coup, je peux retourner à l'index. Retourner dans Advance. Connecter mon Blue Retro. Toujours tester contre l'effet Bonaldi. Tout à fait, vénérable DJ. Donc, on a dit source. On va prendre... Alors, c'est peut-être le type de manette que je prends qui est pas bon. Hein. Si je mettais PS4, PS5 pour tout. Et que j'allais en destination de la SNES. Voilà. Bon, là, il va me prendre carré, rond, triangle, mais les 8-bit d'eau, ça se trouve, il les prend pas comme des manettes de Super NES, mais comme des manettes de PlayStation en XY, je sais pas, ou de Xbox, je sais pas. Il n'y a pas Xbox, d'ailleurs. Hein. C'est Xbox, Xbox One, S, X, Series X. Donc, je verrai. On va laisser PS4, PS5, et puis on va tester comme ça. Save. Dave, il me l'a pris ou pas? Ah, Bluetooth disconnected. Ça arrive, hein, que des fois... c'est... Voilà, c'est un projet, c'est trouvé sur GitHub. Des fois, il y a des petits soucis de config, et puis... Donc, source, et la destination. SNES. C'est perfectible, hein, la stabilité du Bluetooth est pas toujours... Voilà, là, typiquement, quand je fais save... Il me déconnecte, je sais pas pourquoi. Ça peut être fastidieux, hein, la config. Et une fois que le composant il est configuré, ça bouge plus quoi. Allez, j'aimerais bien que ça me prête ma config là. Non, il veut pas. Alors, si ce qu'on va faire, on va couper, redémarrer le composant. On va essayer de se reconnecter. Et associer. J'aimerais vraiment réussir à configurer ma manette 8-bit d'eau parce que voilà, j'avais. À l'époque, elles se vendent plus, celles-là on les trouve plus. J'avais pris exprès celle qui ressemble à une Super NES parce que je trouvais le design vraiment sympa. Donc, j'aimerais vraiment réussir à la configurer correctement. Bah, une manette qui ressemble à une manette de Super NES pour piloter une Super NES. Ah voilà, là ça a sauvegardé la config. Donc on va pouvoir retester. Donc start. Normalement elle va se reconnecter puisqu'elle redémarre dans le dernier mode dans lequel elle était. Et je devrais normalement trouver mon périphérique et puis me reconnecter. Ou alors je la remets en mode appairage. On va mettre en mode appairage. Voilà. Et elle devrait trouver. Hop, voilà, elle s'est retrouvée. Donc, start. Option. On va retourner dans 7. Alors, Y. Ah, il m'inverse encore les touches. Hein. LR, c'est bon. Et AB. Il me prend B, il me prend A. Ça m'agace. Voilà mon clip. Qu'est-ce que tu as fait dans mon clip?
Dac, donc tu m'as fait un petit clip, et ben écoute, merci. J'irai voir de plus près plus tard. Ok. Et ben je vais essayer de me reconnecter du coup avec mon interface Blue Retro là, mais maintenant qu'il y a une manette connectée dessus, à mon avis, on ne le verra plus. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, et ben, on éteint, on rallume, et on va retourner dans la config. Associé. Connecté, associé. Allez, tu peux y arriver. Ce qui me chagrine, c'est qu'il me perd la config, en fait. Ça me chagrine. Et ça, je sais pas ce que c'est, le mapping référence. Bon, ben on va repartir du coup. Je pense qu'il me prend en fait la config par défaut. Et c'est pas évident de savoir quoi. Index. Preset. Alors peut-être que dans les presets, j'aurais pas dû modifier les trucs de tout à l'heure. Y a pas moyen de sauvegarder? Bah si, normalement ça a sauvegardé, mais bon voilà, ça j'ai déjà constaté qu'il y avait des petits problèmes des fois. Hein. Ça se connecte pas toujours correctement. Ah putain, j'ai pas éteint ma manette 8-bit d'eau. Donc forcément, il m'a perdu. Enfin, il m'a repris la synchro avec la manette. Et je peux plus m'y connecter, bien sûr. On repart. Mais ça fait bizarre de devoir allumer et éteindre une console pour... pour réussir à se connecter. Là, c'est pareil, voilà, le preset, il me l'a pas gardé, quoi. Alors que je lui avais bien dit de prendre le défaut gamepad only. Voilà. Save. Alors peut-être que j'ai pas attendu assez là-dedans. Init config DOM machin. Mais non, ça a l'air bon. Save. Ah si. Input 0, config save. 2. Save. Wiring machin. Input 1, config. Config saved. Bon, ça a l'air bon. Ensuite, index. Advance. Connect. SNES. Associé. Pour respecter les procédures, le truc c'est que c'est pas forcément très très bien documenté sur la partie configuration. Les schémas de câblage et tout se trouvent super bien, mais la partie config, c'est pas oufissime. Hein. Voilà, donc là il m'a encore perdu le bordel. La destination, de toute façon, c'est toujours de la SNES, donc là au moins je trouve mes boutons de SNES. Voilà, ça au moins c'est bon. Et ensuite ici... Allez, je vais me remettre en PS4, PS5. Non, je vais pas me remettre en PS4, PS5. Je vais me mettre en Switch. SNES. Après, je chercherai sur le net hein, s'il n'y a pas moyen de configurer 8-bit d'eau, s'il n'y a pas des procédures explicites, quoi. Donc, je vais faire Save. Wiring, Input, Data, machin. Bluetooth device disconnected. Putain, il me refait le problème. Alors, on va réessayer une deuxième fois. Sinon, je recoupe le composant et je le remets sous tension. Je vais pas couper la console. J'appuierai sur le bouton enable ici. Ça sera plus simple. Ok. Et si je faisais switch to game ID? Est-ce que ça change quelque chose? J'ai pas l'impression. Tac, tac, tac. On repart. Switch SNES. Et SNES. Ok. On refait save. Input 0, config saved. Bon, là, normalement, il me l'a pris. Ensuite, on prend device 2. Et là, je vais remettre PS4, PS5.
Donc là, voilà. Le rond, c'était... Je fais... Circle, c'était bien le A, donc ça, c'est bon. Donc c'est bien mappé. Je fais save. Et wiring input data. Bluetooth device disconnected. Ouh, c'est pénible. C'est franchement pénible. Device 1. Mais le device 1, alors on voit plus rien là-dedans. Les sources, machin. Mais il m'a gardé la config quand même. On retrouve square, circle, triangle, machin. Mais sauf que ça, c'est des trucs de PlayStation de base. Qu'est-ce qu'il m'a fait, sérieux? Device 1. Switch SNES. Device 2. Enfin, device 2. Destination. SNES. Ah, c'est perfectible encore, hein, cette affaire. Config save. Bon, config save. Je redémarre mon composant. Je rafraîchis mon truc. Je me reconnecte. Est-ce qu'il m'a gardé la config? Ouais, certains ont certainement déjà essayé, mais je trouve vraiment pas beaucoup d'infos, en fait. Sur la config, vraiment sur la partie config via l'interface, là, je trouve vraiment pas beaucoup d'infos. Et encore une fois, la config, elle a pété, elle a repris les trucs par défaut. C'est très 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 bizarre, cette affaire. Vraiment. Allez, save. On va essayer comme ça, mais je suis pas convaincu. On va attendre que la manette se reconnecte. Non, ça va pas se reconnecter tout seul. Alors ça... Bon, on va la resynchroniser en mode recherche de périphérique. Hop, c'est bon, ça a trouvé. Alors, on repart. Ah non, j'ai pris le mode turbo. Merde, comment on revient en arrière? On peut pas revenir en arrière? Si. Option. Alors, Y, X, inversé. Ah putain, c'est fou ça. Ah, suspense, en même temps, je m'en doutais un peu de cette histoire. Je vais rééteindre la manette. Alors, ce qu'on va faire. On va retourner dans la connexion. Allez, bascule, hop. On va se reconnecter. On va faire la même config, mais je vais inverser les touches X, Y, L et R. Et là, en même temps, il l'a bien la config. Donc, on va inverser Y, je vais mettre X, et X, je vais mettre Y, A, je vais mettre B, et B, je vais mettre A. Voilà. Et là, je vais sauvegarder. Save. A priori, ça a pris. Je reconnecte ma manette. Hop. Mode synchro. Cherche. Brut. Et oui, la manette, quand elle fait sa recherche, on dirait qu'à 2000. Ça me fait tellement plaisir à chaque fois. Hop. Donc là, c'est appairé. On repasse sur le jeu. Start. Option. Alors. Là, c'est bon. Alors, B, si j'appuie sur A, ça prend bien A. Si j'appuie sur B, ça prend bien B. Là, c'est bon, c'est configuré. Donc, celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Maintenant, je vais redémarrer ma manette. Elle s'est connectée instantanément.
Et on va descendre aussi. Alors, ici c'est dans le bon sens. L, R c'est bon. Et enfin B, A, B c'est bon. Donc mes deux manettes sont dans le bon sens. Je ne vais surtout plus toucher la config. Et là on est bon. Là on est bon. Et donc maintenant, je vais basculer mon écran. Je vais me mettre en sortie directe de mon Elgato. Histoire que moi j'ai le moins de latence possible. Mais vous, vous avez le retour via la carte de capture. Et on va aller tester tout ça. Oula, oula. Qu'est-ce que j'ai fait? Y, X, L, R, A, B. J'ai tout inversé. Ok. Donc faut faire start. Et ben on repart. Alors, manette. Turbo, pourquoi pas. Versus battle, bien sûr, puisque j'ai deux manettes. On va aller tester la réactivité. Start, start. Je prends n'importe quel personnage. C'est vraiment pour tester la réactivité des boutons. Ok, ok. Ouah, c'est immédiat. Ah, franchement, si je prends l'autre perso. Moi, je vois vraiment pas de latence. Hein. Alors bien sûr, les joysticks, hein, ils fonctionnent pas, hein, c'est pas mappé, c'est que les croix directionnelles. Non, non, ça marche très très bien, hein, vraiment. Hein. Ouais, la réactivité, elle est top. Hein. Donc avec ce composant, ça marche très bien aussi. Donc alors soit c'était le firmware qui était pas tip top la dernière fois, soit les Vroom 32D ça marche pas bien, mais non non là c'est franchement top. Ah c'est pas mal du tout. Voilà, franchement nickel, nickel nickel. Hop, je vais remettre l'écran normal. Hop. Alors, je vais refaire un autre essai quand même. C'est que je vais éteindre la console et je vais la rallumer. Ben, c'est moi où je suis tout saccadé. J'ai l'impression que j'ai des problèmes avec ma cam. C'est tout saccadé les mouvements. Pourtant, ils ont 60 FPS. Mais dites-moi dans le chat si vous trouvez qu'il y a de la latence dans les mouvements. Un peu, hein, ouais, c'est ça. Hein. Alors, on va changer de scène. On va prendre celle où je peux configurer la cam. Qu'est-ce que je peux lui changer à cette cam? Pourtant, non, je suis bien en 60 FPS. Alors, si. Parce que là, j'ai dû tout friser, là. Wouh! J'ai tout pété! Là. Ouais, c'est pas mieux, hein. Ça n'a pas l'air bien mieux. Tac. Ouais, ça a l'air... Ah, ça a l'air un poil mieux, là. Bon, allez. Non, non, pas panne réseau. Je pense que c'est vraiment le... Soit c'est mon PC qui rame la paille, soit c'est la cam qui commence déjà à être fatiguée. Pourtant, je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Un an que je l'ai. Je m'embêterais qu'elle soit déjà un peu fatiguée, mais bon. Bref. Donc voilà. Autre essai. J'ai éteint la console. Je vais rallumer et on va voir si ça m'a gardé le mapping. Puisque bon, c'était configuré, mais maintenant, je voudrais être sûr que quand j'éteins et que je reprends le boîtier, enfin, le boîtier, le composant, que ça marche bien. Par contre, j'ai eu un freeze au niveau de ma NCAM. Elle, par contre, elle a bien freezé. Bon, c'est pas grave. Donc ça c'est toujours bien connecté. Alors, option. Ah oui, ma cam, elle a freeze de chez Freeze. Alors. Non, il m'a bien gardé la config, c'est bon. Donc c'est bon, là c'est tout nickel. Alors, c'est pas tout nickel pour vous, puisque la cam, elle a complètement freeze. Je vais redémarrer ça. Hook.
Ouais. J'utilise un téléphone Android hein, pour faire la capture. C'est reparti. Non. Touk. Et là, c'est reparti. Oui, c'est reparti. Quelques soucis techniques. Voilà, donc là, c'est de nouveau, c'est reparti en config. La manette PS4, ça se connecte à une vitesse, c'est incroyable. Bon, bah voilà, et écoutez, ça marche très bien. Sur celle-là, c'est bon. Sur celle-là, est-ce qu'il m'a pété quelque chose? Non, il m'a tout laissé comme c'est, comme c'était bon. Eh ben, c'est parfait tout ça, c'est parfait. Donc, adaptateur Bluetooth, Blue Retro pour Super NES, c'est validé. Non sans balles, mais c'est validé. Allez, donc du coup, je vais pouvoir clipser à fond. Alors, je vais les sortir de la console avant. Voilà. Et du coup, on va pouvoir définitivement clipser ça. Et voilà. Et du coup, on a des adaptateurs qui sont finis. Alors, finis, comme je vous ai dit, je vais designer un boîtier maintenant pour pouvoir ranger tout ça. Je vais remettre la LED droite. Et donc, je vais designer un boîtier qui va m'encapsuler. Oh non! J'ai un fil bleu qui s'est dessoudé. Voilà pourquoi est-ce que je veux faire un boîtier. Et ben fer à souder, on repart, on va réparer ça. Voilà pourquoi je veux faire un boîtier, c'est pour éviter ce genre de problématique où des. Comme ça tire un petit peu dessus, où il y a des fils qui se dessoudent, qui se cassent, qui s'arrachent. Voilà pourquoi je veux faire un boîtier 3D où ce sera, je pense, après tout moulé dans la colle chaude, histoire qu'il n'y a rien qui bouge. Bon, c'est pas trop grave, il n'y a qu'un fil qui s'est enlevé. Je sais où il va. On va le remettre. On va essayer d'enlever le morceau qui est resté dedans. Voilà. Et on va remettre ce petit bout là. Voilà. Et de le remettre dans le trou comme il faut. Remettre une belle boule d'étain de chaque côté, histoire de solidifier la soudure. Et puis on sera pas mal. Rien solidifié du tout là, c'est ressorti du bordel. Voilà. Hop. Donc ça, effectivement, il faudra que ça soit coincé dans un boîtier pour plus que ça bouge. Voilà, mais grosso modo, le boîtier, il va venir héberger tout ça. Et j'aurai juste mes deux petits bouts de fil là pour venir brancher clouc directement dans ma SNES. Beaucoup trop cool, beaucoup trop cool. Et donc je vous avais dit que ça marchait sur PS1, donc eh ben, on va enlever la Super NES, et je vais vous montrer ça avec une PS1. Alors, on va enlever le câble vidéo de la Super NES. Merci, Vénérable DJ. Beau partage, ben ouais, écoute, moi, ce genre de projet, j'adore partager ça. C'est des petites trouvailles que je trouve vraiment beaucoup trop cool. Et j'estime que ça devrait pouvoir profiter à tous. Donc, on va ressortir l'ancien projet, voilà. Donc, avec les deux ports PS1, PS2. La ligne cap vidéo sont là. Hop là! Et on va prendre la PS1 avec Tekken 3 à l'intérieur. La lime de la SNES, elle peut dégager aussi. Plus besoin pour l'instant.
Alors je pose derrière, j'ai un canapé en fait, hein, je jette pas tout par terre. J'ai un petit canapé derrière. Je pose tout dessus et une fois le stream fini, je range. Hop. Alors, on branche la Péritel, ensuite la lime. Voilà. On va aller chercher la deuxième manette de PS4. On branche le tout. Donc ça, c'est le P2 et ça, c'est le P1. Donc là, voilà. Pourquoi aussi je veux designer un boîtier. Et pour pouvoir héberger tout ça à l'intérieur. Je vais remettre la carte mémoire, même si elle ne va pas me servir à grand chose. Voilà. Et puis, j'allume. J'allume. Donc, première manette, deuxième manette. La première s'est connectée, alors la deuxième arrivera peut-être pas, puisque elle a gardé comme référence l'ancienne. Donc, je vais essayer de la redémarrer en mode synchro. Ah bah ouais, à l'époque, Tekken 3, c'était la folie. Hop, en mode synchro. Et normalement, elle devrait rapidement passer en rouge. Ah mince, j'ai tout déconnecté, c'est 3 secondes. 1, 2, 3. Ah, du coup, elle est passée en bleu, le con. Et celle-là, elle va passer en 2, alors, en rouge. Voilà. Bon, j'ai mes deux players. Et du coup, donc, bleu, player 1. Option. Bouton config. L, R. Enfin, L1, R1, L2, R2. Carré, triangle, rond, croix. Et franchement, la réactivité, elle est top aussi. Voilà. Sachant que là, il y a la latence du boîtier de capture. Et deuxième manette, donc manette 2. L1, R1, L2, R2. Carré, triangle, rond, croix. Ça marche nickel. Et bien sûr, les touches. Et les vibrations, là, pour le coup, dans la config de Blue Retro, je les ai activées. Et du coup, j'ai le retour de vibration dans les manettes de PS4 via les jeux qui géraient la vibration. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Exit. Exit. Versus. Tac. Peu importe les personnages, hein. C'est génial hein, comme projet, hein. Vraiment, quand je suis tombé là-dessus, j'ai fait « Mais non, c'est trop bien, faut que je le fasse !» Ça marche beaucoup trop bien. Ok, joueur 2. Non, non, ça marche très très bien. Donc voilà, PS1 et PS2, alors j'ai pas branché et testé sur une PS2, mais il n'y a pas de raison que ça marche différemment, puisque là c'est PS1, PS2, donc ça devrait marcher exactement pareil. Voilà. Pas mal tout ça. Pour les drones, tu fais du drone, Vénérable DJ? J'ai eu une période drone aussi, bon je me suis arrêté, mais j'ai eu une période drone aussi. Bon voilà les amis, c'est vrai que j'ai encore de la latence hein, sur la caméra, hein, c'est fou ça. Franchement, 60 images secondes, c'est pas censé saccader comme ça, bordel. Très bizarre, très très bizarre. T'as quoi comme drone du coup? Dis-moi un peu plus, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi, hein, si vous avez des points de chaîne, vous pouvez changer les couleurs d'arrière-plan. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le bon Cabri, qui a une petite kit miniature qu'il peut faire parler. Et moi, ben, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, mais j'étais pas encore affilié, donc j'ai pas pu la mettre en place. Donc, ça pourrait passer pour du plagiat, mais vous avez une petite kit là-haut que vous pouvez faire parler aussi, elle est juste là.
en dépensant vos points de chaîne. DJI Mini 2, ah, il paraît que c'est un très très bon drone ça. Il restait dans un prix contenu en ayant des fonctionnalités intéressantes. On a plusieurs, d'accord, donc vraiment pas mal de drones alors. Il va clairement falloir que je résolve ces soucis de caméra. Et ben écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Ça sera pas un gros stream, mais c'est vrai que c'est pas un projet qui prend beaucoup de temps. C'est pas comme une réparation de console ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de me lancer dans la modélisation 3D maintenant. C'est quelque chose qui prend un peu de temps. Donc j'ai pas envie de finir à 23h ou minuit. Parce que demain je travaille, j'ai un emploi. Le stream n'est qu'un loisir. Donc je vais aller me reposer pour pouvoir attaquer ma dernière journée de boulot de la semaine sereinement. Et puis après, il y a bébé à gérer. Elle porte de la fatigue aussi, cet enfant. Donc voilà, on stream quand on peut. Pour ceux qui découvrent la chaîne ce soir, je stream le lundi, le jeudi à partir de 20h30. Vous aurez bien souvent des réparations de consoles, beaucoup de Game Gear, de la PS1. Je fais des mods de PS1 avec toujours des Arduino, j'adore ça. Donc c'est le mode PSNI pour pouvoir dézoner la console et lire les copies de sauvegarde. Et puis bah, toutes les consoles qui sont derrière là, elles ont toutes au moins une fois été trafiquées. J'ai déjà fait du mode RGB pour la 64, j'ai déjà fait le Pico Boot pour la Dreamcast. Il n'y a que la NES que j'ai pas modifiée, donc la PS2 elle est pucée avec un Modbo 5.0, la PS1 elle a un PSNI aussi. À la PS1, la Game Gear qui est là, elle a un écran LCD IPS. La Game Boy, où ça ? La Game Boy Advance qui est là, elle a un écran IPS aussi avec une coque custom. Enfin voilà, elles ont quasiment toutes été à peu près modifiées. Là, la PSP, la PS Vita qui sont là-haut, elles ont été aussi jailbreak. Enfin voilà, j'aime bien bricoler les consoles. On les voit pas dans le décor, mais j'ai une Mega Drive qui est switchless aussi. La Super NES, elle est switchless avec le mode FF6 Man qui est incroyable. Du coup, ouais, j'aime bien. Vous aurez beaucoup de modes de consoles, des réparations. Voilà, donc ça va. C'est pas parti pour s'arrêter. J'ai encore deux Game Gear qui sont en transit là, qui vont arriver d'ici une ou deux semaines. Donc. On va faire de la Game Gear, je rachèterai des écrans LCD et puis on fera aussi des changements d'écran puisque souvent les écrans, quand je reçois les consoles, ils sont pas en très bon état. Voilà les amis, et ben écoutez, chez qui est-ce qu'on va aller se faire un petit raid? Qui est-ce qui est en stream là tout de suite? Qui est-ce qu'on a? Et ben le bon Quackwack! Le bon Quackwack qui m'a filé des conseils puisque j'ai l'intention de m'acheter un Everdrive. Et oui, parce que des fois aussi sur la chaîne, je fais du JV. Donc, je vais demander des conseils pour un Everdrive Super NES et Mega Drive. Allez, on fait un petit raid chez Quackwack. Donc, Quackwack qui fait principalement du rétro gaming. Pour pas dire exclusivement. Et donc là, il est sur un point and click que je ne connais pas. Passez-lui le bonjour. Allez, vous êtes chez lui dans une dizaine de secondes. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée, encore bonne année à tous, au nouveau. N'hésitez pas à follow pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et ben, merci d'être passé, merci pour les nouveaux follow. Et je vous dis à très bientôt. Allez, rendez-vous chez Quackwack. Ciao !